l'association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie depuis 2011. Lamassi est de nationalité ivoirienne, il réside en Tunisie depuis près de 8 ans et il s'est engagé sur le plan associatif, puis c'est un des partenaires avec son association de la Maison du droit et des migrations. Puis enfin, le constituant qui ne va pas manquer de nous rejoindre, Céline Ben Abdeslam, députée de l'Assemblée constituante, représentant la circonscription du nord de la France. Il est avocat, ancien militant associatif en France. Je le connais bien puisqu'il a travaillé longtemps à France Terre d'Asile. Il va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Alors, voilà, pour aborder donc toutes ces questions, je vais sans plus tarder maintenant passer la parole à Ismaïl en demandant, racisme ressenti, vécu, racisme réel, une question qui s'inscrit surtout dans celle plus générale de l'intégration des étrangers en Tunisie. Bon, autour de cette question, y a-t-il, si on peut aborder cette problématique de cette façon, une question d'identité, une question de mémoire pour le peuple tunisien, Spain. C'est une entrée, mais tu as tout à fait la possibilité de partir autrement. Voilà. Merci. Je t'en prie. Merci. Il est hors de question une seule seconde de nier la force et l'importance et la légitimité d'une loi suprême, bien évidemment. Quant aux sciences sociales, alors, je dirais de manière un peu intellectuelle, c'est plus compliqué, mais je pense qu'il faudrait faire de l'histoire des sciences sociales dans ces pays-là, et en particulier le rapport au pouvoir constitué, hein, et le rapport des intellectuels et des universitaires au pouvoir constitué depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, la relation qu'ils ont aux fondations privées ou publiques. Écoutez, pour ma part, nous avons, par rapport aux conversations, effectivement, il y a deux points que j'ai beaucoup appréciés. Effectivement, c'est question le rôle de la société civile. Notre position à moi est claire, ce ne sont pas les hommes politiques qui prennent le métro, ni le bus, ou qui vont au souk avec nous, ou qui vont dans les quartiers ou dans les facultés avec nous. Donc, effectivement, le rôle de la société civile, c'est très important, et c'est pour cela que l'AESAT, en stratégie, s'est rapproché de certaines associations tunisiennes, dont l'UNDI, dont EDEM, dont l'Association pour la défense des droits des minorités, dont le CTRM, de manière à plus porter notre voix par rapport à cette situation. Ensuite, par rapport à la question concernant l'intervention de Khalid, qui parlait de l'image, écoutez, moi je pense que déjà dans un premier temps, hein, on n'a pas besoin des images qui viennent forcément de l'Europe. On peut produire nos propres images. On peut aussi, je pense que la télévision a un rôle éducatif, d'accord? Qu'on arrête de montrer l'Afrique déjà que les animaux. Simplement, il n'y a pas que les animaux là-bas, alhamdoulilah d'ailleurs. Donc oui, c'est bien beau de connaître les gazelles et tout. Bon, ouais, résultat, on appelle les femmes noires des gazelles, ça va, c'est pas grave, mais bon. Écoutez, qu'on arrête et qu'on montre autre chose. Hein. Je pense que déjà aucune télévision, je pense que la télévision tunisienne a le droit d'aller filmer en Afrique et de montrer autre chose que ça. Ensuite, pour la question qui concerne la question de notre ami Jean-Louis, écoutez, pour nous, au niveau du bureau de l'association, nous avons deux problèmes. En ce moment, le premier problème, c'est que les étudiants sont de plus en plus énervés et l'idée de marcher sur le ministère de l'Intérieur fait de plus en plus rage. Pour le moment, quand on est, nous essayons de contenir les rages des gens, parce que après tout, écoutez, le président Oufak Boigny disait que ventre affamé, la peau mourir. Celui qui a faim, il n'attend pas que vous lui dites que le repas sera prêt dans 10 minutes, dans 30 minutes, il veut que vous lui dites que la table est servie, qu'il peut venir installer. Ils sont en train de subir des choses, et le bureau, effectivement, a des contraintes sur le plan diplomatique, essaie de négocier à sa façon, ça prend du temps, et les gens, on ne sait plus quoi faire. Finalement, peut-être la solution qu'il nous reste, nous sommes en train de discuter des avocats. Peut-être que l'AESAT, dans les jours à venir, posera plainte contre l'État tunisien pour une assistance impersonnelle. Oui. Ça arrivera, nous sommes en train de discuter là-dessus. Nous allons tracer une lettre ouverte au président de la République, aux trois présidents, les trois P, le premier ministre, le président de la Constituante, le président de la République.
et nous allons mettre la copie jointe de la lettre que nous avons adressée au ministre de l'Intérieur, particulièrement son attention sur le fait. Et je pense que déjà, si on n'a pas résolu le problème, parce qu'on en a parlé au ministre de l'Enseignement supérieur, on nous a dit arrêtez de faire les déclarations en France 24 et tout. Et nous disons que la question du racisme en Tunisie, vous savez, le problème, c'est que très souvent, les gens ne savent même pas qu'ils sont racistes. Imaginez la photo des carrefours. Ce photographe, il continue à jurer que, pour lui, en photographiant des joueurs tunisiens donnant des bananes à des petits noirs, il ne faisait pas un acte de racisme. Et tout de suite, il est surpris qu'on lui dise effectivement qu'il y a une connotation directe entre la banane et le noir. Et par conséquent, c'est un acte de racisme. De racisme. Donc il y a un rôle d'éducation. C'est ce je vais m'arrêter là. Mais effectivement, jouer sur plusieurs leviers, hein, on ne peut pas se concentrer sur un seul levier, et tout le monde n'a pas la même fonction. Bon, moi, je ne suis pas ministre d'éducation, je ne suis pas éducateur, je ne suis pas actif dans la société civile, j'ai assez à faire dans le domaine qui est le mien. Donc là, avec tout ça, toutes ces sphères doivent travailler ensemble, hein, il n'y a pas d'autre solution. Qui est un article dans la Constitution, c'est quelque chose de fondamental, à la fois pour le symbole et pour la base que ça peut donner pour légiférer. Qu'il y ait une loi, c'est quelque chose d'indispensable pour l'avenir, parce qu'il y a, pas dire un vide juridique, mais un manque juridique, bon, une lacune juridique à ce niveau-là. Par contre, il y a d'autres arguments juridiques qui peuvent être utilisés. On peut arriver, en étudiant bien la loi, il y a quelque chose, et ou que ce que vous faites, et en attendant les actions judiciaires, bon, oui, c'est quelque chose à faire aujourd'hui, quand il y a, c'est la dernière ressource quand on n'a pas été entendu, c'est ce qu'on fait. Et je suis persuadé que vous pouvez trouver des collectifs d'avocats qui pourront vous aider, des organisations qui pourront vous aider. Dernier levier, bon, bien sûr, c'est l'action sur le terrain et l'éducation, oui. Là, effectivement, ça sera encore plus efficace s'il y a une base juridique et une base constitutionnelle.